Je suis tellement excitée, la gang, et nerveuse un peu en même temps. Parce que là, je me trouve à Piggy's Cove et j'ai décidé de prendre un boat tour. Donc, le tour de bateau qui pourrait m'amener à aller voir des phoques. Mais l'affaire, c'est que c'est jamais certain si on va en avoir ou pas. Alors, restez là, parce que si j'en vois, je veux que vous les voyez vous aussi. C'est parti! Wow, regardez la vue sur la lighthouse. Super belle place pour faire un selfie. Oh my God, la gang, le voici, le phoque! Oh my God, trop cute! Il est gros en plus, là! Il est vraiment gros. Oh my God, il nous regarde! Oh my God, il me regarde, il me regarde! Oh my God, un autre phoque! Aïe, on les voit tellement comme il faut, là! Je suis tellement contente, j'ai vu des phoques! Ah! Puis en plus, ils sont proches, là! Ils viennent super proche du bateau, puis ils lèvent leur tête, puis ils nous regardent. Hey, c'est vraiment incroyable. Il y en a un autre. En arrière de moi, il y en a un autre. Est-ce que vous voyez? Oh my God, il y en a un qui est sorti de l'eau juste là, là. Oh, trop cute! Il y en a un qui se fait comme bronzé. Qu'est-ce que tu fais là? Il nage à reculons. Il est donc bien drôle, lui. Ben voyons donc. Oh my God, la gang, je capote, j'ai vu mes phoques. Ah! Vous devez absolument faire cette expérience. Incroyable. Je veux dire, j'ai pas vu un ou deux phoques, là. J'ai vu une famille au complet. Si vous venez à Piggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, ça n'a pas manqué. Et by the way, ce boat tour-là, je le trouvais assez abordable. C'est 50$ par personne plus taxes, mais c'est une heure. Puis tu sais, on voit super bien la lighthouse. Il y a des super beaux spots à regarder. Sérieusement, la gang, si vous venez à Piggy's Cove, il n'y a pas grand-chose à faire à Piggy's Cove à part manger et admirer la lighthouse. Mais ça, je pense que ça vaut vraiment la peine.